monde, c'est Super22 et aujourd'hui je suis pour le troisième épisode du Let's Play de Nightmare House 2. Je suis en compagnie de... du vent, exactement. Et oui, je vais tenter le Let's Play tout seul. Et ça c'est PGM. Le Let's Play tout seul, c'est parti. Alors, on est au chapitre 2 donc. Et ça commence bien. Oh putain. Je vais éviter de crier quand même. Faire gaffe aux screamers. Radiologie. Alors, soit je vais vers la porte entrouverte avec du sang partout. Soit je vais vers une porte qui mène de toute évidence à un endroit sûr. Et bien sûr, elle est fermée cette porte. J'aime pas le... Je sais pas pourquoi on se retournait, c'était instinctif. Bon bah. En fait, c'était pas si sécurisé que ça. Hein. Faut pas croire. Here at Never Lose Hope Hospital, we are taking great care to ensure the comfort and tranquility of our patients. You can find vending machines and television sets in all waiting areas. Please enjoy them as you wait. Oh, ils sont intelligents, quand même. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort, toi non plus. Personne n'est mort, ok? Personne n'est mort. Toi. Ouf. Voilà. J'ai avancé. J'ai entendu un psit. J'ai entendu un psit. Je sais pas si vous avez entendu le psit. Mais il était vraiment le psit. Je sais pas si vous vous rendez compte que je suis en train de faire un let's play tout seul d'un jeu. Horreur. Tout seul alors que je suis cardiaque. Motherfucker quoi. Putain, je la joue à l'amnésia, je me... Je joue comme dans l'amnésia, je m'accroupis dès qu'il y a un truc pas net pour éviter justement qu'il y ait une bestiole qui me saute dessus. T'as pas un œil? Non, c'est bon. Ah. Don't mind it. It's automatic and it got messed up a long time ago. I really hate that thing. It even wakes me up at night. The problem is that they're all automated and I can't figure out a way to shut the damn things down. D'accord, les portes sont toutes seules. Oublique. Je n'ai pas ouvert la porte. You are now entering the radiology department. All cell phones and electronic devices must be switched off in the designated areas. To avoid interference with vital medical equipment. Un cadavre va apparaître, j'en suis sûr. Un cadavre va apparaître. Non, que dalle. Ouais, je suis pas. Ce jeu n'est pas aussi prévisible que qu'il se fait croire. Pas vrai, non. Bon bah bon. On ferme la version, on sait jamais. Hein. Je... Putain, j'ai des petits bruits qui me font flipper dans le jeu. Alors il y a une porte, je vais attendre avant d'ouvrir ça. Il y a deux portes. Oh putain. Violent. Violence. Ah, des munitions. C'est quoi ça? Pourquoi je peux pas allumer ma lampe?
pleure là. Un long couloir comme ça, c'est pas normal. Les longs couloirs comme ça, j'aime pas. Quelqu'un? Personne. J'imagine qu'il va falloir le changer. Donc j'imagine qu'il va falloir aller trouver un levier. Ah, un fusil. Mais où peut-on trouver un fusil? Peut-être dans une salle, comme ça. Allô? Ça me va arriver, hein? Bingo! Oh putain! Crève. Oh putain. Oh putain, j'ai la peur. Qu'est-ce que je peux avoir peur? Vieux l'Amérique. S'il y a des Américains qui m'écoutent, j'aime l'Amérique. C'est où, c'est où? J'entends un zombie. Voilà, maintenant que j'ai une arme, vous allez faire moins et moins. Désolé, je vais recharger ma lampe, quand même. Pour les besoins du let's play, faut quand même que vous ayez un peu de lumière. Parce que c'est un jeu très sombre, hein, quand même. Bon, j'ai réglé la luminosité au max de façon à ce que vous puissiez voir quelque chose, mais bon. Voilà. Bon, bref. Je vais me réfugier là-dedans. Parce que les IEM, j'ai appris que ça foutait des lampes en l'air. Y'a rien. On va plier. Si jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Ah! C'est quoi ça? Ça attire? Ah, mais ça attire tout! Oh, t'es sérieux? D'abord, ça attire tout dans un portail spatio-temporel et ensuite ça fait boum et il y a un truc qui s'ouvre derrière. T'es sérieux là? Je dis ça, je dis rien, mais les problèmes d'incohérence dans l'histoire, hein, GG. Comment je passe, moi? Si je passe d'ailleurs. Ah! Allez, ah si, c'est comme ça. Oh, il y a un truc qui clignote derrière la porte. J'aime pas les lumières qui clignotent. Je ne regarde pas derrière moi. Je ne regarderai pas derrière moi. Si elle est là, je ne regarderai pas derrière moi. Ma conversation est très intéressante, je le conçois. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah putain! Elle vient vers moi. Elle vient vers moi. D'accord. C'est fermé. Le zombie ne se relève pas. Il n'y a personne ici. Bonjour. Ça va, mon gars?
T'es qui? Je ne parle pas parce que je suis pétrifié par la peur. Je rends des conduits. Tu vas te lever, tu vas courir vers moi, tu vas voir. Tu vas te lever, tu vas courir vers moi, tu vas... C'est encore pire. C'est encore pire que si c'était levé, le machin. C'est-à-dire qu'il y a une bestiole dans les conduits. Et que cette pistole peut me sauter dessus à n'importe quel moment. Il a dû se barrer cette pistole. Oh. Maybe I wasn't clear enough when I said that you and I were here. What I really should have said was that you and I are the only ones left. Everything here went to hell and people turned into these things. My word of advice to you is to keep an eye out and a gun close. I'm unlocking the main doors. Keep moving. Bon bah, allons voir nos amis zombies. D'accord, la hitbox qui marche pas, elle est belle. Je vais arracher la tête. Les gars, ils pouvaient pas ouvrir la lampe plus tôt, j'ai envie de ouvrir la porte plus tôt. Non, ils nous laissent poireauter comme ça. Putain. Elle était fermée cette porte. Ça sent le screamer. Oh putain, oui. Sors. Cours. Oh putain, du sang sur les murs. C'est à moitié rassurant, vous voyez? Cours. Putain, la fille. Il va y avoir un screamer. Je regarde pas. J'avance tout droit. J'ai pas regardé. Je regarde pas du tout. Je ne regarde pas. J'ai peur. Je sais pas ce qui se passe. J'entends plus rien. Je regarde. Chargement. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je regarderai ça dans la vidéo. Je voulais pas gueuler en fait, c'est pour ça que j'ai pas regardé. Aidez-moi. Je recommencerai plus tout seul, il faudrait que je rappelle au Dodd. Ah, le coca, c'est le seul truc qui peut me faire retrouver du bonheur. Parce que là, j'en ai plus beaucoup du bonheur. Ah, mais attendez, c'est un chargement. Mais oui, chargement est égal. Fin du chapitre est égal, fin de la vidéo est égal à libération est égal à DVD de Gad Elmaleh. Voilà, en gros c'est ça. Putain, le gars il... Allô? Putain, elle me reparle. Oh, elle continue de me parler, c'est ça le pire. Elle m'a mis où là? Elle a fermé la porte. Elle m'a mis où là? Il y a mes armes. Chapitre 3, oui! Alléluia! Le chapitre 3, enfin. Bon, bah, je vais vous quitter et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play de Nightmare House 2. Salut tout le monde!